Début de vidéo. Bienvenue à tous sur cette vidéo. Je suis très content de reprendre la caméra. Je suis très content de reprendre la vidéo pour cette chaîne YouTube. Ça faisait vraiment un petit moment que je n'avais pas tourné pour cette chaîne YouTube. Et là, voilà, on va faire une petite vidéo au calme, une petite vidéo bien tranquille avec une petite musique. Et puis, on va se mettre bien. Je vais vous raconter un petit peu mon année 2021 et mes futurs projets pour 2022. Alors déjà, première chose que vous devriez avoir remarqué, la qualité d'image. Normalement, on est sur une meilleure qualité d'image. Alors, c'est simplement dû à une chose, c'est que j'ai investi. En fait, à la base, avant, je filmais avec ceci. Donc forcément, c'était une caméra un peu merdique à trouver sur Amazon à 30 balles. Maintenant, je filme avec un vrai appareil photo. Donc, je vais vous montrer aussi si je peux. Voilà, donc là, vous voyez la bête. Là, normalement, voilà, l'image, la luminosité et tout, ça doit être beaucoup mieux, sachant que j'ai aussi racheté des petits panneaux avec lumière diffuse et tout, donc ça doit être beaucoup plus agréable pour vous à regarder. Donc ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est vous parler un petit peu de mon année 2021. Donc je devais faire une super vidéo et tout en janvier avec plein de montage et tout, un peu orienté sur l'humour. Au final, j'ai eu la flemme. Voilà, voilà, c'est le syndrome un peu du trop parfait. Pour ceux qui me connaissent, je suis Funnel Builder. Donc Funnel Builder, c'est simplement une personne qui va construire des systèmes de vente pour des entrepreneurs en ligne ou pour des entreprises. Donc je me suis lancé en début d'année 2021. Vraiment, c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance, je fais le truc, j'y vais à 100% dedans. Donc avec mon entreprise, bien sûr, vu que j'étais encore salarié en 2020, début 2021 normalement officiellement aussi, ça s'est pas hyper bien passé, mais j'ai quand même réussi à quitter mon entreprise, hein. Je me suis vraiment lancé, j'ai un peu brûlé les bateaux du coup, parce que j'avais rien d'autre que ça pour vivre. Et au début, c'était compliqué parce que il y a la pression, il y a le fait de trouver des clients, de pas savoir si tu vas vivre le mois prochain, enfin si tu vas vivre si tu vas avoir assez d'argent pour vivre le mois prochain. Donc ça, c'était vraiment une inquiétude, c'était compliqué. Donc je dirais le premier trimestre, premiers 4 mois de l'année, compliqué. Alors déjà, en début d'année, il y avait pas mal de coaching que j'ai fait. Ouais, en fait, il y a beaucoup de coaching sur le net où je dirais que c'est pas encore très pro. Ouais, des formations, c'est pas pro, c'est pas encore... Puis c'est encore un petit peu tabou. Certains coachings qui sont vraiment assez chers, mais sur lesquels il n'y a pas de garantie sur résultat, il n'y a pas de contrat signé, il n'y a pas de... Voilà, le service client, en fait, la satisfaction client n'est pas hyper développée. Donc, c'est compliqué. Après, par contre, je suis tombé sur un bon coaching, on va dire, en milieu d'année. Et ce coaching-là, en fait, ça m'a permis de remettre en question plein de choses sur, sur comment je faisais les choses et puis sur le futur aussi de mon activité. Donc, ça a été super. Et donc, en fait, les résultats que j'ai eu par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est plus moi qui cours après les clients, enfin, qui courais après les clients. Et j'ai commencé à négocier des partenariats, à avoir des partenariats, à avoir du bouche à oreille, des gens qui venaient à moi. Donc ça a été super. Par contre, j'ai dû beaucoup travailler quand même en milieu d'année, donc en été. Donc j'ai pas vraiment pris de vacances en été, mais bon, voilà, c'est l'activité avant tout. Quand on veut le faire, on y va quoi. Et puis après, sur la fin d'année, là en fait, c'est là où ça s'est vraiment, on va dire, le niveau d'intensité de travail a vraiment diminué. J'ai pu partir en vacances, j'ai pu arrêter de rechercher des clients, les partenariats commencent à être un peu plus pérennes. Énormément de problématiques qui peuvent durer 6, 7, 8 mois en fonction de comment tu te lances et en fonction de comment tu travailles, que quand tu es dedans, en fait, tu peux ne pas avoir le bout du tunnel. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aider des personnes qui sont dans cette problématique-là sur l'année 2022. Donc ça, ce sera dans mes projets 2022 et je vais vous en parler aussi un petit peu après. Pour résumer l'année, il y a, ouais, on va dire, les 5-6 premiers mois difficiles. L'été, j'ai beaucoup travaillé et vraiment après, à partir de octobre, novembre, là, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. C'était beaucoup plus tranquille, on va dire. Donc voilà comment une année en tant que prestataire peut se décomposer. Alors maintenant, en fait, je vous ai parlé de mes projets pour 2022. Si j'ai acheté du matériel pour YouTube, vous vous doutez bien que je vais faire un all-in sur YouTube. Donc vous allez me voir et vous allez voir ma tête en 2022. Voilà, c'est officiel. Peut-être pas sur cette chaîne-là. Enfin, d'ailleurs,
moins sur cette chaîne-là ou presque pas sur cette chaîne-là. En fait, avec un ami qui est funnel builder, donc Saibu Torif. Donc avec Torif, on va créer une chaîne en commun dans laquelle on va faire énormément de vidéos, probablement deux par semaine. Je vous mettrai le lien en description pour aller vers cette chaîne YouTube-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de que j'aimerais accompagner les gens qui rencontrent les problématiques que j'ai rencontrées cette année à devenir funnel builder au travers de notre expérience, donc mon expérience à moi et de l'expérience de mon collègue. C'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins voulu faire. Voilà, la prestation, j'adore, mais j'ai toujours plus ou moins eu un esprit de pédagogie et j'ai toujours plus ou moins eu envie d'accompagner les gens. Et voilà, on va se lancer là-dedans et on va voir ce que ça donne pour 2022. Mais en tout cas, normalement, vous devriez me voir beaucoup plus en 2022. Voilà, je pense que la vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne, abonnez-vous à celle-ci. Je ferai des contenus quand même de temps en temps. Et puis, on se retrouve pour du funnel building et pour d'autres vidéos en 2022.